Ce soir, troisième partie des aventures de Jack et Ross dans le monde des zombies. En attendant que l'ami Ross, alias Ark Gaming, se connecte pour une session un Oui. peu plus courte que d'habitude. Boulot oblige demain. Donc, maximum 1 heure. On va essayer de pas déborder. Objectif. Réunir deux nouveaux survivants See you soon, I hope. pour pouvoir déménager. Il nous manque deux personnes pour pouvoir prétendre un nouvel abri. Mais on l'a déjà fait. Es-tu sûr? Bah oui. Ouais. On est à plus de 6 personnes pour déménager. Pour Ça aussi, l'instant, ça n'a pas en... on a 6 personnes seulement là. Oui, et où on doit déménager, il y a combien de personnes? Tu crois que On doit avoir. c'était 6 personnes? Ah Oui. ouais. Ok. Attends, il y a un relais routier. Bonjour mon ami. Oh la pupille, il y a la fifi. Wow, on va se calmer. Calme-toi. Tiens, il y a mon gros marteau dans ta gaule. J'étais en train de regarder les abris potentiels là. Ah, il y en a un, c'est 6 places sur 6 places. Et les autres, c'est 5. Donc, moi, je propose qu'on aille sur une à 6 places. Et plus tard, il y en a une à 8 places, mais ce sera pour 8 places. Bon, on va aller voir ça. Ouais. Attends, je vais prendre un des survivants avec nous qui demandait à venir. Alors elle dit, je pense que c'est une bonne idée de se chercher une nouvelle base. Tu ne saurais pas par où commencer? Alors je vais lui répondre, viens avec moi, j'ai vu quelques endroits sympas. Explorer des sites potentiellement intéressants avec Allison. Il faut qu'Allison reste en vie pour réussir la mission. D'accord, on va cramer des zombies. Figure-toi que c'est là où je voulais aller, que la mission nous envoie. D'accord. On va y aller à pied, hein. C'est loin? 500 mètres. Oui, il y a un gros port. Non mais on le laisse, on passe. Il y a un mec chelou là-haut. Zed's closing in. Mais elle est folle, elle attaque la horde. Non, on se faisait déjà attaquer en fait. Vérifier s'il y avait un chemin, en effet il y en a un. Tombe pas dans le vide, surtout. Non, non. Oh, ça suffit. Ça su T'arrêtes de chasser des zombies là? Elle Hein? était sur le trajet. Et bah voilà, y a comme par hasard, il y a un Gollum. Allez, on désingue le Gollum. Oh, le Gollum, tu restes à terre? Espèce de Gollum de merde. Ah bah c'est joli ici. Ouais.
Alors la route que j'ai vue, je pense que le trajet c'est par ici. Oh, il y a un gros sac encore. Oula. Bah je m'occupe de Gollum là-bas. Non, Gollum il est mort. Ouais, mais on sait jamais si c'est un Gollum lui. Dépêche-toi parce qu'Alison elle chasse les zombies. Voilà. Allez, venez. Qu'est-ce que t'as foutu? Ah merde. Tu t'es trempé de touche. Ouais. Oula, il a disparu d'un coup. Oui, oh, il est là. C'est juste que... Il s'est cassé la gueule assez vite. Voilà. Allez, crève. Bon, voilà. À mon avis, il va falloir que tu arrêtes de prendre des cocktails Molotov avec toi parce que t'es... Tiens, crame. Ah non, là, c'était fait exprès. Oula. Oh bah bravo. Rien, c'est juste une petite brûlure. Oula! Alors là, il y a de la people, il y a la people, on va cramer donc tout voilà, ça. Voilà. Attends, regarde, là juste devant nous, c'est la base. Ouais. Soit on s'installe ici maintenant, soit ouais. On va visiter l'autre. Laquelle? Mais l'autre, je crois. Attends, si je dis pas de bêtises. Ah, on voit pas. Hein. Tout à l'heure. Tu peux aller cramer les zombies, s'il te plaît? Allez, vas-y. Ouais. Ouais, je vais cramer les zombies. Mais essaie de les cramer quand il y en a beaucoup. Parce que là, tu utilises tes ressources pour rien. Bon, pendant que le bébé s'amuse, on va visiter le base. Ouais, crame. Tu as cramé? It's locked. Figure. Damn, too loud. Voilà. Ouais, je suis content. Bah, ça me paraît pas mal ici. Je les ai cramés. Y a plus de zombies vivants. Non, c'est bon. Allez. J'ai tout cramé. Je suis content. Alors, il y a une grande place, deux grandes places, trois à l'extérieur. C'est assez facile à défendre parce que c'est des murs en rectangle. À l'intérieur, il y a combien de... Il y a une place. Il y a déjà des lits. Donc ça... Il y a déjà des lits. Ça me paraît pas mal. Maintenant, voilà, on peut visiter autre chose. Y'a pas de problème. Ah non, c'est trop bien là. Ok. Donc je parle à Alison. Attends, me dit, attends, cet endroit... je vérifie. Oui, attends, vas-y, attends. Vas-y. Tu choisis ton lit aussi. Je suis ouais, d'accord. Elle me dit, cet endroit m'a l'air parfait. Installons-nous. Alors, non. Je peux... Non. 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 C'est pas. C'est et l'autre. L'autre, il faut aller voir l'autre. Le problème, c'est qu'on est déjà là et que la quête nous dit de finir ici. Ah merde, il y a combien de places dehors? 1, 2, pour construire. 3, 4. 4, ouais, bah c'est bon, parfait. Voilà, on a réussi la mission. Hein. Facultatif, changez d'avis et informez Alison que vous ne voulez plus partir. Remplissez les conditions requises et installez. Donc, attends. Maintenant, je peux de nouveau regarder le nombre de places. Alors, de l'autre côté, il n'y a que 2 et 1. Il y a une grande place, 2 petites. D'accord? Ouais. Il y en a une, il n'y a carrément rien, mais de toute façon, on n'a pas assez de points. Et la base qu'on avait vue, c'est une seule grande place à l'extérieur. Donc, on va rester ici, hein, je pense.
Ouais. Alors. Le drapeau. En espérant qu'on ait assez de points. Ah non, il nous manque des points. Et il y a 16 emplacements ici. C'est énorme. Bah nickel. Par contre, va falloir farmer des points. Parce qu'il nous en... Attends, je vais te dire, il nous en manque 400, je pense. C'est vite fait, hein, mais... Ouais, ouais. Lol. Il nous en manque 347 points. Ah, t'as été éjecté. Ouais, j'ai été... Ouais. C'est pas grave. Je te ravite. Ça marche. Et on va faire ça alors. 347 points, il y a... Voilà. C'est pas très difficile. Voilà. Allez, c'est parti. Je sais déjà comment on va faire des points. On va fouiller tout ce qu'il y a autour. Toutes les zones blanches. Bon là j'ai plus rien à vie. Ah. D'accord. Attends moi. Ne pars pas tout seul. Je suis là. Ah, attends si j'ai encore un truc là. Ah, j'ai de l'essence mon ami. Ouais. J'en ai eu aussi. Attends, c'est encore en blanc. Alors ça veut dire qu'il y a encore un truc à fouiller quelque part. C'est peut-être ici. Oh. Mais non, putain! Alison! Putain, je vais te cramer, hein! Oh, ce qu'elle met. Qu'elle a fait? Elle a tué mon zombie! Oh! Je suis triste, là, maintenant! Survivors, this is Nigel Meredith. C'est inadmissible! Est-ce que je peux switcher? Non, je peux pas switcher, donc on a Alison avec nous, mais je peux pas switcher. Tiens, tu mets des coups de marteau dans ta gueule! Oh, il y a des zombies là-bas! Laissez-moi les faire! Zombie. Viens ici. Coucou les zombies. Tiens. Voilà. Tiens. Et voilà. Tiens, j'ai récupéré des ingrédients zombies. Ah. Ok. Bon là il va y avoir de la bouffe. Ah, il y a un fourgon. On va pouvoir l'utiliser pour stocker. Viens, on va clean la petite horde. Là, si t'as encore des cocktails molotov, c'est le moment. Hein. Ah non, j'en ai plus. Bah c'est voilà. Je t'avais prévenu. Quand t'en aurais besoin, bah voilà. Essaye de pas ramasser mes carreaux et je te laisse l'ingrédient là. Voilà, vu que t'en as déjà. Ah, voilà, on va pouvoir mettre les sacs. Ouais, ah bah il y a même de quoi réparer le fourgon. On tombera pas en panne d'essence. T'as fait le plat?
Ouais. Ok, moi je répare. Vas-y. On va le laisser là. Hein. It's locked. Damn, too loud. Well, now they know I'm here. Ah, des briques. Zombie. Voilà. J'ai récupéré des graines. Ah. Saleté de vie. Ah, il y a un hurleur. Oui, à cause de la vitre, j'ai raté mon tir. J'ai les médocs pour une autre quête. Voilà. Ce qui va nous permettre. Bien, on va aller. Je ramène Allison à la base. Sauf si elle. Non, en fait, voilà. Je la ramène à la base, je viens te rechercher. Et après, on va rendre la 4. Et après, t'as fini. Après, tu vas faire dodo. Non. Ah, ah bon? J'ai eu peur. Non, non, c'est pour faire des points. Hein. Ah. Bon, alors. Bon, je vais le tenter. Hein. Je vais le tenter tout droit. Let's go faster. Must go faster. Pire, oh. Oh là là. Je suis content. Serais-tu méga fatigué zombie. Un peu. Je pense que tu dois pas te lever pour les bosser. Hein. Allez, on monte. Difficilement. Mais ça monte. Ah, t'as été téléporté. Ouais, et pourquoi j'ai été téléporté là? Parce que c'est comme ça, on peut pas trop se séparer malheureusement. Bon, je pense que par là on peut. Bon, je vais quand même faire le tour. Allez! Oh là là, tu donnerais la flamme à un régiment. Yep, it's a freak. Bon, on va tenter, hein. Il y a des bruits chelous quand même. Il y a du people là. Oh, il y a plein d'hordes de zombies. Venez voir papa. Venez, venez, je suis là. Coucou. Wow, 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 on va se calmer là. Je vais pas bouffer, laissez-moi tranquille. Oula.
se casse. Ah, c'est mal géré ça. Hop. Alors au niveau de la base, on est rendu à combien? Ouais, ça, je crois que ça devrait aller. Je vais juste rendre ce dessin. Voilà. Prends le sac, Allison. I'm home and not dead. My two favorite things. You know what we need around here? Electricity. Alors, je vais prendre de quoi faire de la diversion. Fais-moi les malins là maintenant. Et de quoi leur cramer la gueule. C'est qui le plus fort? C'est qui est le plus fort? C'est Bibi. Là où on doit rendre le sac, il y a trois bâtiments infestés autour. Et bah alors, c'est qui le plus fort? C'est Bibi. Vous êtes tous niqués. Ah, on fait moi les malins là. Et voilà! C'est qui le plus fort? C'est Bibi! Je les ai tous tués! J'arrive, Bibi! Essaye de me rejoindre! T'es où? T'es à l'autre bout là-bas? Non, ah, je te. Je suis pas à l'autre bout, je t'attends. Ah voilà. Oula! Attends, j'arrive. Venez là! Je suis fatigué. En plus. Ils vont nous péter la camionnette. Oh, je suis fatigué, moi. Toute nature. Mais non, mais je suis vraiment fatigué, mon père. Que fait Allison? Ben, elle monte pas. Congédé Allison. Ça fait deux fois que je la congédie. Non, c'est vrai, j'ai plus d'énergie bleue. Je suis fatigué. Est-ce qu'elle va? Faut que je change de perso. Elle m'inquiète. Hey, tag along with me for a sec. Alright, lead the way. Où tu vas? Mais t'es un malade? Il n'y a pas de place en CMT K2. Ah. Je t'attends ici. Va prendre la camionnette sans l'abîmer. Va à la base qui est juste là. Allez où? Change ton personnage. Oula.
toujours un grand moment. Où tu vas? Mais où tu vas? Je vais à la base. Mais non, la base, elle est pas là où tu vas. Bah si, c'est un point, il y a un point, je suis désolé. Bah, Non, le point, c'est pas la base, hein, au cas où. Ah, elle est toute droite. Elle est juste là, je t'ai dit, elle est juste là, toi, tu vas. Je sais pas où tu vas. Oh mon dieu. Bon. Je vais te suivre, hein, sinon tu vas encore te faire téléporter sur moi. Il y a une horde là, juste à côté là. De base. Non. On en a qu'une. Hein. C'est toujours la même depuis le début. La maison. Et merci, je me suis arrêté pour t'aider et t'es parti. Oh mais je suis. Ça c'est. Change. C'est du grand Ross. De quoi moi j'ai rien fait moi. Bah oui j'ai vu que t'avais rien fait. Voilà. I'm not convinced. Bon, le voilà. Plus Allison, mais la base elle est juste là, donc vas-y. Voilà, j'ai annulé la mission, de toute façon on n'a pas assez de points. Et on pourra la reprendre quand on aura assez. Ah on a du coup on n'a pas déménagé. Si on déménagera quand on aura des points. Et apparemment on pourra faire la mission de déménagement après. D'accord. Nous manque combien de points? En manque plus ou moins 287 points. Oh, bah ça devrait aller. On va prendre de risque, on va suivre la route. T'as changé de perso? Ouais, c'est bon. Ok. Je suis avec mon cuisinier. Là où on va, il y a trois bâtiments affectés. Côte à côte. Ah. Donc T'as pris des cocktails Molotov? Non, j'ai pris des explosifs, mais surtout de quoi attirer tous les zombies au centre. Donc notre mission, c'est de pas se faire repérer. Ah bah c'est... Viens, laisse la camionnette, viens. On va essayer de tous les regrouper et là on fera un barbecue. Ah t'as pris des cocktails Molotov? Non, j'ai des bombes incendiaires. J'ai deux bombes incendiaires. J'ai des pétards, etc. pour les attirer. Pour les attirer tous au même endroit. Je vais mettre un point. On va essayer de les attirer tous là. Où là? Où? Viens, suis-moi. Oh, il y en a 10 à tuer. Fois 3 maisons, ouais. Je vais les attirer petit à petit. Et on se fait pas repérer. Mais... Voilà, je fais pas mal de bruit. Oula. Y'a des hurleurs derrière toi. Ouais, y'a ceux-là, le dégaine.
Ah, oula. Voilà. Alison est encore là. Elle ne veut pas me quitter. Ah bon, on a réussi. Regarde. Il y a déjà une maison totalement clean. Il en reste deux. Ah ouais. Mais bon. Attends. Je vais encore faire autre chose. Ne te fais pas repérer. T'es prêt? Ça va être le 14 juillet. Cache-toi. Ouais, j'ai tué les trois hurleurs qu'il y avait. Bien joué. Il reste plus qu'une maison à dératiser avant ça. Staying safe out there? Hello. Stay safe. See ya. Harold. Voilà. Thanks, kid. Voilà. Adios. On gagne un peu d'affluence. Et avec tout ce qu'on a dégommé, il nous reste plus que, laisse-moi calculer, 182 points à obtenir. Ah, il reste encore une maison à dératiser en entier. Il doit rester quoi? Ah, il reste deux hurleurs. Ah bah laisse-les moi. Ils sont où les hurleurs que je les dégomme? Ah, ils sont là. Il y en a un ici. Allez hop, ça se fait. Ah oui, ils ont été attirés par la caméra. Et voilà, il n'y a plus d'hurleurs. Attends, je récupère le carreau léger. Ouais, c'est pour moi les carreaux légers. Ah bah on a tous les deux les carreaux légers, ça va. Ouais. Et voilà. Une belle boucherie. Ah ouais. Ah, ils se sont bien installés hein, ici. Hein. Au centre des trois maisons affectées. Oh, ils ont campé haut. Oh. Ça se fait pas de camper les zombies, hein. On vous l'a déjà dit. Je parlais interdit surtout de la fameuse bande là. Ah ouais. D'ailleurs, attends, est-ce que tu as des objets du style où il est marqué peut se revendre à bon prix? Bah non, je viens. Non, pas encore. Ouh, des munitions et un flingue. Hop, ça c'est fait. Ok, bon bah. Où je suis sorti, t'as encore des trucs à toi dedans. Hein. Ouais, je sais, mais c'est parce que je suis dans une autre maison. Je fouille en même temps. Stay frosty. Oh, je suis plein. Bah, tu mets juste les gros sacs de matières premières ou alors genre des vis. Les vis, ça tu peux mettre. J'ai. Par contre, moi j'ai trouvé des bouteilles d'alcool que je peux vendre à l'enclave. Let's make a deal. Okay. Par exemple, ça se revend 34. Tu vois. Donc, pareil, hop. Et grâce à ça, bah, ça finance le déménagement. Il nous reste 59 points et on peut déménager. D'accord. Ouais, donc t'as compris tout ce qui est éthanol, tout ce qui est vis. J'ai mis dans la bagnole. Hein. On peut paquer tout dans la bagnole. Look, it's someone I like.
mais pas le reste. Oh bon, on va pouvoir construire plein de choses, hein. Regarde, encore un sac. Et j'ai mis de l'essence dans le... Essence, on n'a pas besoin, je prends. Pour revendre tout de suite, comme ça on aura les points nécessaires. D'accord. Let's get down to business. Yeah, sure. Voilà, il nous manque 40 points. Ah, moi aussi je peux lui vendre des objets alors. Oui, des objets des objets que t'as pas besoin quoi. Mais en général t'as des objets qui servent pas à, à construire, etc. Mais qui sont juste c'est juste pour... Tu les revends uniquement pour leur valeur, genre des bouteilles d'alcool, des cigares, ce genre de choses. Voilà. Ah, sixième jour. Ah, j'ai des munitions. C'est dommage qu'on peut pas s'installer ici. Ça aurait été bien. Avec un système de clôture ou de mur à construire autour, ça aurait été bien. Bon, je crois que on a assez les points, hein, je pense. Bah, ils se cumulent pas. Ah, mes points que je fais moi, ça va pas. Ça va... Non, ça va pour toi. D'accord. Attends. Ah, tu sais à combien de points je suis moi? Bon, à mon avis, beaucoup, puisque t'en as utilisé aucun pour l'instant. Je suis à 1322. Ah bah. Avec mes points, on a quoi faire l'échange? Ah, à fond. Bon, t'en fais pas, on a assez de points. D'accord? Ouais, j'ai de la bouffe. Hop, dans le camion. On a assez de points, mais. On continue de clean ici. De toute façon, je crois que. On est à l'abri du besoin. Ah, ils ont plus assez. Ah, ils ont plus assez. Hein. Tu m'étonnes. Ah, de la bouffe, ça c'est bien. Des munes aussi. Bon, bah. Je vais encore fouiller un petit peu. Ouais, faudra revenir de toute façon. Parce que c'est rempli de matériaux de construction ici. Ça, c'est terrible. Bah voilà. On peut y aller. Bah reste là, tu vas te TP sur moi quand je serai à la base. Attends, je peux monter. Je monte dans le coffre. Dommage. C'est con, hein, on peut pas. Non. Hein. Et je comprends pas pourquoi Alison ne veut pas nous lâcher la grappe. Elle y tient, sa fameuse carte là. Oula. Tu vas te faire téléporter devant Juggernaut. Voilà, je suis à la base. Je vais un petit peu faire le ménage là dans les voitures parce que c'est pas possible.
va pouvoir déménager. Oh putain! Il y a le gros sac à mes trousses! J'arrive. Avec une fourgonnette à 4 places. Enfin, c'est plus un pick-up. Ah, il y a le gros sac à mes trousses. Ouais, je remonte à la surface, hein. Allez. Putain, on a des bagnoles. Ah, reviens. Tu me vois là. Attends, attends. Ouais, je te... Ouais, deux minutes, ah, je ouais, vais me poser. Vas... Ouais, vas-y, dépose tout. Putain, on a des bagnoles là. Je me rends aux, là où on doit, on va s'installer. Ouais, j'arrive. Ouh là, le gros sac, il m'a pas vu encore. J'ai pu l'échapper. J'espère que tu l'as pas attiré sur la... Non, non, pas du tout. Voilà, je suis là. Attends-moi! Laisse-moi pas tout seul! Je vais mourir autrement! Ah, mais t'as des trousses de zombies! C'est pour ça que je vais pas trop trop vite. Allez! On y va. Oh, plague zombie over there. Déjà mieux que la gabinette, hein. Ah, tu m'étonnes. Bon, il y a moins de place aussi. Bah, Allison, défends-nous. Descends, descends, je vais à la base. Mais c'est ce que j'allais faire. Hop, j'y suis. Voilà. De nouveau, on entend tout ce qui se passe chez toi. Oui, c'est normal, c'est que j'ai craint de regarder le live de Pazzo. Donc pendant qu'on joue, tu regardes le live. Bah, je joue en même temps. Alors. C'est ça, de bien avoir deux écrans. Ouais. C'est déjà de te concentrer sur un seul. Bon, allez, c'est bon, on est installé, c'est bon. Ouais. Bah, nickel. Regarde. Oh, bien, c'est trop bien, ouais, c'est trop bien. Oh, bah, ouais, bah, on va faire quoi maintenant? Oula, il y a plusieurs lits là. On est bien là. Déjà, je vais regarder combien de lits on a en tout. Alors, on en a un. Il y en a 4 au minimum. Hein. Ouais. Après, je sais que si on trouve un constructeur qui est avancé, dehors on peut construire une caserne. Sur les grands emplacements. Et bah, construire la caserne. Ouais, mais attends, il y a peut-être autre chose à construire. Ouais, c'est ça.
Parce que caserne, c'est plus de lits. Comme ça, on peut détruire les lits qui iront à l'intérieur. Bon, bah, vas-y, hein. Voilà. C'est les casernes, là ? Ah ouais, elle est en train de se construire. Une ferme. Ah, la ferme ! Ça m'a rappelé quelque chose, ça. Moi aussi. Et tous nos amis sont là. Halo delivered. Malheureusement, maintenant, on n'a plus assez... On n'a plus assez de main d'œuvre. Va falloir attendre. Et ben voilà. Déménagement effectué. Par contre, comment on peut détruire des trucs, des couteaux et tout? C'est ici. Ah, il faut que j'ai tout dans mon inventaire? Non. Normalement, si c'est... Tu vas sur... si je dis pas de ah, bêtises... Oui. Récupérer, c'est bon. Réparer, récupérer. Oui, les deux objets que t'as sur toi, tu peux les détruire. Ouais. Ah non, mais j'ai plein de trucs de corps à corps là. De pièces détachées là. Non, de. Ah oui, 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 oui. Ok. Bah, pour l'instant, je garde. On fera le tri plus tard. Alors, quand on aura la caserne qui est construite et améliorée, on aura nos 6 lits. Ce qui veut dire qu'on aura 1, 2, 3, 4, 5 places pour construire des choses. Il faut savoir qu'on a un générateur de secours aussi qui est là dehors. En effet, oh, j'ai des ingrédients zombies. Le générateur, par contre, si on l'allume. Ça fait du bruit et ça attirera beaucoup de zombies. Mais bon. Oh, on s'en fout. Énorme réservoir de carburant. Ça, c'est terrible. On en a du carburant. Oui, mais ça nous permet de stocker beaucoup de carburant. Ok, pour les besoins. Ah bon, on va le remplir. Attends, il faut que je trouve le générateur. Il est peut-être à l'intérieur. Ouais, il est là, le générateur. Ok. Je crois que c'est là, hein. Je suis pas sûr. Elle est bien, c'est bien. Avec un grand bâtiment fermé. C'est ça, le générateur? Non. Attends. Non. Merde. Énergie dans toute la base. Pardon. 46 minutes et je sais pas où il est. Et bonne nouvelle, ça n'attire pas les zombies. Il n'est pas marqué que ça fait du bruit et que ça attire les zombies. Ah, t'as trouvé le générateur? Non, c'est quand je vais dans l'écran de la base. Ah, et pourquoi moi j'ai pas accès? Parce que c'est pas toi l'autre. Ah, d'accord. Mais vu que j'ai lancé deux grandes constructions, tous nos ouvriers sont pris. Ouais, par contre... Ah, attaque de zombies. Une grosse attaque, apparemment. Ah bah voilà, la caserne est terminée. On vérifie les zombies, les gars.
Faut pas qu'il nous échappe. Hein. Bon, tant pis. On va se faire au corps à corps. Non, je vais pas parler à Tom. Je vais fermer la porte. Je suis en train de checker les entrées. Je pense qu'il y a que deux entrées, ça c'est pas le même. Ou trois. Tu sais que je protège vers la camionnette là depuis tout à l'heure. Ouais, mais ils viennent par quatre côtés apparemment. Ah. Hop, ça c'est fait. Ah, j'ai entendu un hurleur là, non? Ouais, ouais. Wow! Oh putain! Vite, c'est passe. Oui! Aïe, hey, y'en a une tonne! Aïe, hey, y'en a une tonne derrière moi! Quoi? Y'en a une tonne! Ah, une horde! Ok. J'arrive! We survived, that's what matters. Should I pick up some milk while I'm out? Il y en a une tonne. J'ai dit, il y a pas une horde. J'ai dit, il y en a une tonne. Non, mais t'es tellement monté dans les aigus que je ne comprends rien. Ah! Oh! Oh, le vol plané qu'elle a fait! Oh, le vol plané! Oh, t'as vu le vol plané? Ouais, j'ai vu. C'est quand tu fais LB plus plus X, je crois. Ouais. Hey, you're not dead. T'as plusieurs compétences comme ça. Bon, voilà, voilà. Les deux gros morceaux sont construits. Oh. 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 Ah, t'as construit un jardin? Ouais, vu qu'on a un chef constructeur, je peux transformer la caserne en caserne luxueuse. Ouais. On passe de 4 à 5 lits. Et le moral est plus élevé. Donc, bon, bah vas-y. Hein. J'aurais pu faire 6 lits, mais le problème, c'est que le moral aurait été plus bas. On a ce qu'il faut là, on stack en armes, on est blindé. Surtout moi, je suis blindé en armes. Avec l'électricité. Réserve de matériel, non. Hop, voilà. Ah oui, mais là, on va être bien, hein, percasse. On va être très bien. 23h11 déjà, putain, ça passe vite, oh. Ouais, qu'on s'amuse. Bah, on a un tel objectif. Ouais. On devait déménager, on l'a fait. Demain, on terminera l'aménagement. C'est bien. On a plein de bâtiments. On a un générateur. Ouais. Qu'on allumera demain. Ouais.
Bon bah voilà. Hein. Objectif réussi. Et oui. Et on a dans 5 minutes, on sera à 4 minutes, on sera à 1 heure de live. Donc on va se maintenir à ça. Ouais. Parce que si je commence à dépasser sur les heures, ça ne va pas le faire. Oui, hein. Et on te l'a déjà dit. Vu que tu es fatigué, ça tombe bien. Moi, non. Je suis pas fatigué. Je baille, c'est tout. Ah, d'accord. Au corneille. Au corneille. Et ben voilà. Bon ben voilà. Allez, on va se... je vais quitter moi. Ben sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde pour la suite des aventures de Jake et Ross dans le monde des zombies. Ouais. Salut à tous. Salut, bonne fin de soirée. À bientôt. À bientôt.